Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, bhuteshwaraya, kala, 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 Shambho, Shambho, Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuteshwaraya, kala, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, Shambho Mahadevaya. Yoga, yoga, yogeshwaraya, bhuta, bhuta, kala, kaleshwaraya, shiva, shiva, sarveshwaraya, shambho, shambho, maha. Tadarana rara narana na na tanarana na na rana manavyala kin charadate manavyalakin charadate manavyalakin charadate manavyalakin charadate manavyalakin charadate marmamelladil vedane manasa manavyala kincharadate marmamelladil vedane manasa manavyala kincharadate
Ramachandruni Garudaina Shri Ramachandruni Karuna Taranga Mudelpina Nagarudaina Shri Ramachandruni Karuna Taranga Mudelpina Namana Vyala Kinjaradate marmamella del petane manasamana vyala kinjara karma kanda mata krishtule bhava Karma kanda mata krishtulai bhava gahana charulai gasi chaltaka karma kanda mata krishtulai bhava gahana charulai gasi chaltaka kani manava avatarulai Kanimanava avatarulai kani pilchinate natata tyagaraju manavyala kincharadate marmamella dil pedane manasa manavyala kincharadate Jay 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 Mahadeva Jay 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jay 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 Mahadeva Eh bien, le nombre de décès aux États-Unis a dépassé 58 000, ce qui est plus que le nombre de morts de la guerre du Vietnam. De bien des façons, la guerre du Vietnam est devenue une sorte de tournant majeur pour les Américains, car après la Seconde Guerre mondiale, ils avaient vraiment cru que c'était la fin de la guerre. Donc, quand 57 000 personnes
des soldats américains ont été tués. Il y a eu une sorte de réveil de la société. Mais maintenant, le virus en a emporté plus que ça. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des gens ordinaires. Ils ne sont pas sortis pour se battre quelque part. Eh bien, dans le reste du monde, la situation se stabilise. En particulier en Inde, ça a l'air très positif puisque 2/3 de tous les cas positifs sont maintenant cantonnés à seulement 15 districts dans le pays. Cela signifie que nous avons réussi à le contenir géographiquement, ce qui est la façon dont on peut maîtriser cette situation. Géographiquement, il est contenu. Des relaxations partielles commencent à avoir lieu dans diverses parties du pays. L'agriculture est de retour, les petites industries sont en train de revenir. Une présence partielle dans divers bureaux et industries a commencé. Donc, seulement 15 districts, 2/3 des cas, et 46% des cas dans seulement 5 districts. Mumbai, Delhi, Indore sont les vraies zones à risque actuellement. Donc, ces villes, si elles sont contenues, le reste du pays est maîtrisé petit à petit. Donc, certains États ont déjà prolongé le confinement jusqu'au 15 mai. Le Tamil Nadu pourrait également opter pour un confinement géographique. Toutes les zones en rouge vont à coup sûr connaître un prolongement du confinement. Et c'est là où nous en sommes, quelque part. Aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ils ont déclaré que c'est la journée internationale de la danse. Eh bien, dans cette culture, une attention énorme a été portée à quelles sont les choses que le corps physique peut faire et quel genre de posture et de mouvement conduirait au développement de l'être humain individuel qui habite ce corps, si vous utilisez le corps d'une certaine manière. Partant de là, diverses danses classiques furent développées de très des représentations magnifiques de ce que le corps peut faire, non en termes d'acrobatie, mais en termes des choses variées que vous pouvez faire avec le corps gracieusement, avec un engagement très profond au niveau de vos émotions, une certaine mathématique et un certain rythme dans tout ce qu'on fait. De cette façon, des formes de danse se sont développées majoritairement à partir des temples du pays. Jusqu'à il y a quelques siècles, les danses n'étaient pratiquées que dans les temples, en grande partie parce que les danseurs ne dansaient que pour le divin. Les gens pouvaient aussi réussir à regarder, mais principalement la prestation était pour le divin et personne d'autre. Ils ne jouaient de la musique que pour le divin. Les autres pouvaient écouter. Cela était l'attitude de base envers la musique et la danse, car elles étaient vues comme, d'une part, une expression de l'exubérance de ce que les êtres humains peuvent être, d'autre part, comme une façon d'atteindre un certain épanouissement, comme un moyen d'atteindre une certaine liberté, une certaine libération, ou d'arriver à un état d'abandon. Eh bien,
C'est la seule culture où même nos dieux doivent danser. Un dieu qui ne danse pas n'est pas accepté ici. Un dieu sérieux, assis quelque part comme ça, les Indiens n'en voudront pas. Il doit danser pour prouver qu'il est un dieu. Krishna est un danseur. Shiva est connu comme la base même de la danse. Donc la danse n'était pas vue juste comme un divertissement, comme une forme d'art, mais comme une représentation de la nature de la création elle-même. Donc l'image de Nataraja, un Nataraja de 2 mètres de haut, est installée devant le laboratoire du CERN en Europe, parce que dans l'esprit des scientifiques qui se sont plongés dans ces aspects de la vie, les particules subatomiques et d'autres aspects du cosmos, ils ont tous ressenti que la plus proche explication ou description que vous puissiez donner au phénomène de création est la danse. Elle danse d'une certaine façon. Eh bien, le yoga a toujours décrit à la fois la création et la destruction comme tandava, ce qui veut dire une danse sauvage, mais phénoménalement synchronisée. Donc Shiva ou Adi Yogi est représentatif de cela. Toute une culture a été développée à partir de cette dimension de compréhension. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la danse, et si vous voulez maintenir la distanciation sociale, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, simplement danser tout seul. Parce que dans la plupart des autres cultures, les gens se disent toujours « danse veut dire danser avec quelqu'un ». Mais ici, danse veut dire qu'on va fermer les yeux et complètement se lâcher. Vous savez, un corps humain, je ne sais pas si vous avez vu, vous avez probablement dû les voir, ces couleuvres dans l'étang, qui dansent quelquefois ensemble à deux. Mais vous devez voir les cobras royaux danser. C'est absolument phénoménal. Les cobras royaux qui dansent, c'est le spectacle de votre vie. Eh bien, vous avez à coup sûr vu les paons danser là-dehors. Ils ont un tel plumage, vous n'avez rien de tel à secouer comme ça, vous savez. Vous avez un corps maladroit, plein d'os. Vous n'êtes pas comme un cobra royal, vous savez. Donc, même avec ce corps maladroit, quand vous avez de la joie au cœur, même avec ce corps osseux et maladroit, vous avez quand même envie de danser. Donc, j'ai un petit poème pour vous. Il s'appelle Danse. When joy fills your heart, even with your bony, clunky limbs, become graceful. When joy fills your heart, even your bony, clunky limbs become graceful. All creatures, when at their best, burst forth into dance. All creatures, when at their best, burst forth into dance. Not just a graceful king cobra or a delightful peacock, even the gangly cricket and ungainly hippopotamus do their own gig. Not just the graceful king cobra or a delightful peacock, even gangly cricket and ungainly hippopotamus do their own gig. In this land, even gods, sages and seers dropped falsehood of seriousness
serious dignity and dance to their heart's content. In this land, even gods, sages and seers dropped falsehood of serious dignity and danced to their heart's content. Make life a dance of grace. Pour ceux d'entre vous qui ont trouvé cette danse trop longue, une version courte, ok? Lui aussi s'appelle danse. When your heart is full and mind When your heart is full and mind unmindful as to who you are or not, when your heart is full and mind unmindful as to who you are or not, your feet shall dance. There is no method, but just an abandon. Your feet shall dance. There is no method, but just an abandon. Donc, il y a des journées dédiées à toutes sortes de choses. J'ai entendu dire qu'il y a une journée du bain moussant. Mais un jour pour la danse est un bon rappel pour les êtres humains, car la plupart d'entre eux ont... car ils portent une montagne sur leur tête. Beaucoup d'entre eux. Certains d'entre eux portent la planète elle-même sur leur tête. À cause de ça, ils ne peuvent pas danser parce qu'un tel poids, leur système de croyances, leur philosophie, leurs idéologies, leurs fichues écritures, un nombre infini de fardeaux. Donc vous ne pouvez pas danser. Pour la danse, vous devez être une vie en cours, pas une vie ancienne. Les personnes anciennes peuvent-elles danser? Comment les morts peuvent-ils danser? Je vous le demande. Les personnes anciennes ne peuvent pas danser. Seules les vies en cours peuvent danser. Celui qui est en vie aujourd'hui peut danser. Donc si vous essayez de vivre, parce que selon vous, la valeur d'une chose vient de son ancienneté, toujours, pour qu'une chose soit bien, elle doit avoir au moins 1000 ans. Parce que cela ne requiert aucune intelligence ou conscience de valoriser ce qui est vieux. Comme par exemple, Krishna veut dire « toujours à danser ». Eh bien, 5 ou 6 000 ans plus tard, tout le monde dit « Krishna, Krishna ». Mais quand il était en vie, il y avait toutes sortes d'accusations. Seuls ceux qui avaient un cœur pour lui dansaient avec lui. Les autres, il n'y avait pas de réseaux sociaux, mais il y avait quand même une société, à petite échelle. Toutes sortes d'accusations. Mais maintenant, tout le monde l'apprécie parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Maintenant, ça ne requiert plus aucune intelligence, vous l'avez déjà figé. Krishna est notre Dieu, donc pas de problème, il est parfait. Quand il vous pose un peu de problème, vous allez le transformer en Balakrishna. Donc, celui qui danse, quelque part, ne convient pas à votre logique. Donc vous avez besoin de la distance du temps pour l'apprécier. Mais il est parti. Encore aujourd'hui, Krishna, ou n'importe quel autre nom, il ne s'agit pas de cette personne. Il s'agit de cette dimension ou de cet aspect de la vie. Si Krishna ou Shiva ne prend pas vie en vous, là, tout de suite, le fait que vous vénériez le mort n'a pas beaucoup de valeur. Si vous l'utilisez comme une source d'inspiration, d'accord, ça me va. Parce que
Vous avez besoin de quelqu'un qui a été approuvé par des milliers de générations de gens, autrement. Vous n'avez pas l'intelligence de comprendre ce qui est précieux, ce qui n'est pas précieux. Pour arriver à avoir de la valeur en quelque chose qui se passe maintenant, alors, vous devez vous appliquer. Vous devez expérimenter avec votre propre vie, autrement vous ne saurez pas. Mais pour apprécier quelque chose qui s'est passé il y a 1000 ou 2000 ou 5000 ans, c'est très simple, parce que tout le monde le dit depuis longtemps. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire l'expérience. C'est juste que vous allez obtenir une identité. Vous allez intégrer un grand gang ou un grand fan club. Vous vous sentirez intégré, vous sentirez une fraternité. La fraternité, si vous devez avoir de la fraternité, elle doit être pour chaque créature sur cette planète. Mais si votre fraternité n'est limitée qu'à un certain nombre de gens, c'est le début de la tyrannie. Au fur et à mesure que cette fraternité grandira, elle deviendra absolument tyrannique. C'est pourquoi la plupart des religions ont causé plus de violence que n'importe qui d'autre sur cette planète, simplement à cause de la fraternité. La fraternité avec une idée limitée est un processus désastreux. C'est pour ça que vous devez danser. Si vous dansez, votre fraternité s'effondre un peu. C'est très important. Parce que toutes ces absurdités, vous les avez construites sur la sale petite logique que vous avez en tête. Vous avez une sale petite logique dans votre tête. Avec ça, vous essayez de structurer votre vie et le paradis aussi. C'est vous qui décidez ce qui devrait s'y trouver. Vous décidez même du contenu du paradis, regardez ça. La qualité des dieux aussi, c'est vous qui en décidez. C'est une bonne astuce, mais vous êtes comme une araignée qui est prise dans sa propre toile. Une araignée qui tisse une toile pour ses victimes est une araignée intelligente. Mais une araignée qui se fait prendre dans sa propre toile est une araignée stupide. Oui. Et c'est ça qu'est votre processus psychologique. Alors que la toile s'épaissit de plus en plus, vos pieds deviennent pleins de plomb, ils ne peuvent pas bouger. Vous devez devenir un peu plus en gêne avec vous-même pour danser, autrement vous êtes toujours inquiet. De quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air, de quoi j'ai l'air? Vous avez l'air idiot, et alors? Qu'est-ce que ça fait d'être un idiot un certain temps, hein? Si vous êtes vraiment intelligent, vous voudrez bien jouer l'idiot un certain temps. Mais si vous êtes stupide, alors vous avez peur d'être démasqué. Ceci est arrivé. Une jeune miss va dans un magasin de vêtements. Et elle va voir la vendeuse et lui dit, « J'aimerais essayer la robe dans la vitrine. » La vendeuse dit, « Mademoiselle, vous allez devoir le faire comme tout le monde, dans la cabine d'essayage. On ne peut pas faire ça dans la vitrine, d'accord ?» Donc, les gens se remplissent de tant de trucs qui n'appartiennent pas à la vie. S'ils se remplissent de cet air, même la nourriture, c'est bien. Ou s'ils se remplissent de tous les spectacles et les sons de la nature et de la vie, ils auraient envie de danser. Ils se remplissent de philosophie, idéologie, écriture, toutes sortes de choses. Même logiquement absurdes. Certaines sont logiques, leur sale petite logique. Mais beaucoup d'entre elles ne sont même pas de la sale petite logique, c'est de la super sale petite logique. Avec de telles structures, ils essaient de mener leur vie. Donc pas étonnant
qu'ils se sentent toujours en insécurité. Vous pensez toujours que votre système de croyance, votre philosophie, votre idéologie sont menacés. Regardez juste l'histoire de l'humanité. Ceux qui ont fortement cru à une idéologie, ou à une philosophie, ou à un système de croyance, ou à une certaine forme de rituel ou de pratique, ce sont ces gens qui ont tout tué sur cette planète. Les gens qui dansent ne se sont jamais mis à tuer qui que ce soit parce que ça ne vous vient pas à l'esprit. Quand votre cœur est plein de joie, ça ne vous vient pas à l'esprit de tuer quelqu'un parce que vous ne vous sentez pas menacé par quoi que ce soit. Vous ne vous sentez pas en insécurité. Parce que tout d'abord, vous n'avez rien à protéger parce que vous savez que ceci n'est rien. La vie est la magnanimité de la création. C'est à vous d'en tirer le maximum. En tirer le maximum veut dire qu'immédiatement les gens vont penser, voyez, aujourd'hui, un tas de jeunes m'écoutent et ils vont dire, c'est bon, Sadhguru dit que nous devons faire la fête, sortons. Mais ce foutu confinement... Non, non. Ce que vous dites, c'est que vous devez faire le plein pour danser. Non. Ce que je dis, c'est que vous devez vous vider pour danser. Je parle d'abandon. Vous parlez de mettre des spiritueux en vous. Ce sont deux choses différentes. Eh bien, quand vous êtes saoul ou drogué, vous pouvez faire comme si vous étiez dans un état d'abandon. Non, vous avez perdu votre conscience, c'est autre chose. En arriver à un état d'abandon et perdre votre conscience sont deux choses différentes. Ne confondez jamais ces deux-là. Si la danse elle-même est une drogue, c'est bien. Mais si vous dansez en étant drogué, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la danse. Mais les gens se sentent coincés chez eux. Ils n'ont pas de travail, ils pourraient danser toute la journée. Et danser ne signifie pas forcément faire quelque chose avec de la musique. Vous pouvez travailler comme si c'était une danse, vous pouvez bouger comme si c'était une danse. Vous pouvez faire chaque acte simple comme une danse. Danse veut dire que vous rendez vos mouvements physiques plus gracieux. Vous n'êtes pas juste une absurdité maladroite. C'est tout. Cette question est de Bhargav. Namaskaram Sadhguru. De qui? Bhargav. Oh. Quelles ont été les plus grandes révélations pour vous avec cette pandémie? Ce n'est pas très clair pour moi. Pouvez-vous l'ajuster? Quelles ont été les plus grandes révélations pour vous avec cette pandémie? Comme l'une de vos biographies dit que vous êtes en contact direct avec Mahadev, qu'a-t-il partagé sur cet événement et sa place dans l'histoire de l'humanité? Cette partie, c'était quoi? Qu'a-t-il partagé sur cet événement et sa place dans l'histoire de l'humanité? Eh bien, c'est une biographie, pas une autobiographie, donc ne m'accusez pas moi. Donc, quelle est l'opinion de Shiva sur le virus? Vous devez comprendre que la nature de ce que vous appelez Shiva n'a pas de problème avec le virus. Tant que le virus danse avec force, il dit, « Mes bénédictions t'accompagnent. » Oui, je vous l'ai dit, c'est comme la justice de Lao Tzu. Si le virus dit, « Shiva, on veut danser sur toute la planète », il dit, « Tous mes voeux, je suis avec vous. » Si vous, vous allez dire, « Shiva, on veut vraiment vivre bien », il dit, « Tous mes voeux, je suis avec vous. » Parce qu'il est avec la vie.
Vous devez comprendre que le virus est aussi la vie. Il se conduit très intelligemment en ce moment. Il paraît, les scientifiques disent qu'il a déjà muté et a pris 10 aspects différents ou 10 variétés différentes ou autres. Donc même si vous trouvez un vaccin, ce qu'ils affirment pouvoir faire bientôt, il se peut qu'un seul disparaisse, les 9 autres sont encore là et ces 9 pourraient devenir 900, qui sait? Donc s'ils sont vraiment aussi intelligents, je pense qu'il va les bénir. Parce que eux aussi sont la vie. Vous pensez que seul vous êtes la vie, c'est une grosse erreur. Eux aussi sont la vie. Mais notre vie nous est précieuse. Nous voulons vivre. Eux aussi veulent vivre. Si vous étiez vraiment aussi fort qu'une chauve-souris, je ne sais pas, c'est encore... que dire? C'est encore une question controversée. Certains affirment que ça vient de la chauve-souris, d'autres disent que ça vient d'ailleurs. Mais disons que ça vient de la chauve-souris, et si vous étiez aussi fort que la chauve-souris, pas de problème avec le virus. En ce moment, le problème, c'est que, quelque part, on n'est pas encore prêt à gérer tous les micro-organismes de la vie qui pourraient nous affecter. Beaucoup, on les a maîtrisés en nous-mêmes, certains, non. Donc en ce moment, vous devez faire de la distanciation sociale, tout comme Shiva. La majeure partie de sa vie, il était en distanciation sociale, vous savez. Oui. Si tout le monde s'asseyait et méditait pendant 15 jours, le virus est mort. 14 jours, c'est ce qu'il faut. 15 jours, si tout le monde le faisait, eh bien, ça semble être comme retourner le couteau dans la plaie. Non, je n'essaie pas de me moquer, mais c'est vous qui avez soulevé la question. Qu'est-ce que Shiva dit du virus? C'est ça qu'il dirait, parce que il est pour toute vie. C'est un Pashupati. Ça signifie qu'il est le maître de toute vie. Donc il ne va pas faire de distinction entre vous et un virus, simplement parce qu'il est plus petit et vous êtes plus grand. Ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Juste parce que vous êtes un peu plus grand et qu'il est petit. Non, Shiva ne fera aucune distinction. Donc vous feriez mieux de mettre votre cerveau en ordre et de gérer cela de manière responsable et de vaincre ce fichu virus. La question suivante est de Rajita. Dans nos sociétés indiennes, nous nous rassemblons d'une manière ou d'une autre pendant la crise. La jeune génération part faire la queue à l'épicerie pour ramener les courses à la famille. En Occident, où l'individualisme prévaut, on observe qu'il y a peu d'infrastructures de soins pour les personnes âgées. Un ami diplomate dit que les personnes âgées qui vivent seules ont été mal préparées à une telle pandémie. Pensez-vous que l'Occident va se rendre compte que l'individualisme a un attrait limité et changer de cap à un certain stade et dans certaines circonstances? Eh bien, laissez-moi vous dire. Une fois, il y avait un politicien très chauvin. Et soudain, il a changé. Pas parce qu'il a vu la lumière, parce qu'il a senti la chaleur du foyer. De même, il doit y avoir un peu de chaleur à la maison pour que les gens sortent et fassent des choses. Toujours comparer de petites choses de la société à la société occidentale et dire « ils n'ont pas ça, nous on l'a », non, ce n'est pas vrai. Vous voyez, si vous regardez quelques générations en arrière, disons même il y a 2 ou 3 générations, une famille signifiait vous,
Bien sûr, votre épouse, vos enfants, vos parents, ses parents habituellement, ou peut-être pas, vos oncles, vos tantes, votre grand-oncle, et un autre vieil homme, vous ne savez pas ce qu'il est, il est quelque part apparenté à vous. Oui. Et ainsi de suite. Ce serait, même une petite famille veut dire 25-30 personnes. Une grande famille signifie 300-400 personnes. Parce que le processus économique était tel que, à moins de rester ensemble, vous n'étiez pas en sécurité. Les processus sociaux étaient également tels que vous aviez tout intérêt à rester ensemble. Alors que l'économie se développe et que l'éducation moderne vous rentre en tête, naturellement, aujourd'hui, famille signifie mari, femme et enfant. Les parents, s'ils sont très malades ou autres, de temps en temps, ils peuvent vous rendre visite. Les parents de l'épouse? Lentement, ça va plus loin. Peut-être qu'en Occident, c'est allé plus loin. Maintenant, leur idée de la famille, c'est juste soit un homme, soit une femme, mais juste une personne et un enfant. Parce qu'ils savent que deux personnes, 7 jours sur 7, ce n'est pas possible. Un aspect important, il y a de nombreux aspects à cela, un aspect important est la liberté économique. Lorsqu'il y avait un lien économique, dans une famille, il y avait un chef de famille. Il contrôlait tout le pouvoir économique de la famille. Donc tout le monde restait là, parce que s'il partait, il serait sans ressources. Maintenant, tout le monde peut sortir et gagner quelque chose, même s'ils ne sortent pas. Ils peuvent travailler à domicile et gagner de l'argent. Maintenant, un mot, fini. Parti. Parce qu'il n'y a plus de lien économique. Vous devez être assez sincère, assez honnête pour admettre que les sociétés humaines n'ont pas encore atteint une existence consciente. Elles sont encore motivées par le besoin. Il n'y a que si des besoins sont là qu'ils restent ensemble. S'il n'y a aucun besoin, ils vont s'en aller. C'est la raison pour laquelle il est très important de former une société consciente. Même si c'est une petite société, il est important de former une société consciente où tout le monde est là par choix, pas motivé par ses besoins. Autrement, en grande partie, les sociétés humaines, toutes les sociétés animales sont aussi comme ça. Elles sont motivées par les besoins. Ne vous faites pas croire que c'est par amour que vous vous êtes réunis. À Mumbai, il y a peut-être 12 ou 13 millions de personnes. À New York, 7 ou 8 millions de personnes. Vous pensez qu'ils vivent tous si proches les uns des autres par amour les uns pour les autres ? Vous vous mettez le doigt dans l'œil. Donc, même la famille est motivée par les besoins. S'il n'y a aucun besoin, elle va s'effondrer. Ce sont des besoins qui la tiennent. Donc, l'Inde, en tant que nation, est à un certain stade d'évolution en termes de processus économique et social. Vous verrez qu'au fur et à mesure que le bien-être économique grandit, les gens vont devenir de plus en plus seuls. Ils aimeraient vivre tout seuls parce qu'ils ne peuvent supporter personne. Quand vous êtes pauvre, vous êtes très patient. C'est toujours comme ça. Une fois qu'un peu de richesse arrive, soudain, vous devenez... Parce que l'identité des gens, malheureusement, est construite autour de ce qu'ils possèdent. Vous devez être qui vous êtes. Ce que vous possédez, c'est pour son utilité, c'est tout. Les choses ne sont destinées qu'à être utilisées, mais la plupart des êtres humains deviennent quelque chose de par les choses qu'ils possèdent. Donc une fois que c'est comme ça, ce sont des sociétés mues par le besoin. Donc c'est ce qui se passe. Quoi qu'il en soit, tous les garçons ou filles indiens, jeunes filles et garçons, ils ne sont pas tous prêts à aller faire les courses pour vous. N'imaginez pas de telles choses. Ils le font parce que c'est toujours présent culturellement et l'économie aussi pousse à cela. Donc, partout, ça se développe rapidement.
Les gens au-delà d'un certain âge doivent se débrouiller seuls. Ceux qui emménagent dans des communautés et des foyers, eh bien, ils reçoivent des soins médicaux et autres, vont-ils recevoir l'atmosphère d'inclusion nécessaire? On ne sait pas. Donc il y a bien des façons que la société peut trouver. Je crois que je devrais vous montrer une vidéo. Est-ce qu'on l'a? Vous devez voir ça. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हाँ हाँ जी मेरा नाम करणपुरी है मैं अकेला रहता हूँ सीनियर सिटीजन हूँ सुन लिख लो Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear sir Happy birthday to you लो सर केक काटिए अब आपको क्या ऑफर करूं मेरे बच्चे भाग गए मैं क्या बना सर हम है ना आपके बच्चे सवाल की बात है कोई बात ना सर आपकी फैमिली हम भी ऐसी बात थोड़ी है तभी तो आपके बच्चे हैं सर आपके बच्चे अंकल जी कोई नहीं आइए अंकल प्लीज आइए केक कटिंग करो कैप सर कैप कैप लगा के कोई बात नहीं अंकल जी कोई बात नहीं थैंक यू यू मेड मी डे Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ceci est la très détestée police de Delhi. Eh bien, partout dans le monde, en particulier en Inde, je trouve que les policiers font un travail fabuleux que personne n'avait jamais imaginé. Personne n'a jamais imaginé qu'une personne en uniforme a un cœur si doux, caché derrière cet uniforme rugueux. Mais ils montrent qui ils sont en ce moment. Donc beaucoup de gens, au nom de l'indépendance ou de la modernité, il y a une certaine vacuité à l'endroit où il aurait dû y avoir un cœur. Donc ceci n'est pas occidental ou oriental. Les êtres humains individuels sont comme ça. Où que vous soyez. Oh, je crois qu'il est l'heure, pardon. Comme aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la danse, on a pensé qu'on allait jouer de la bonne musique pour que vous dansiez où que vous soyez. Ramani